Salut tout le monde. Et on est reparti pour un tour. Très fort là. Salut Keaton. Comme ceci. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors, l'idée, on va parler. Normalement, je suis arrivé, hein. Je vais y arriver. Donc, si on va sur Predictalab. Medium.com. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran. Allez, on est bon. On est bon, mais on est un peu petit. Mettre un peu plus gros. Histoire que ce soit un poil lisible. Voilà. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais faire la continuation un petit peu des sujets qu'on a évoqués la dernière fois. Donc la dernière fois, on a travaillé tous ensemble. Donc c'était pas le. J'ai raté le live de jeudi dernier. Donc on a dit que. Ce live Twitch, l'idée c'est vraiment de le faire tous les lundis et tous les jeudis de 18h à 20h. Merci à tous à toutes les personnes qui sont présentes, ça fait très plaisir et vous êtes assez nombreux à chaque fois, donc c'est super chouette. Malheureusement, j'ai pour une contrainte de travail, j'ai dû rater, on n'a pas fait jeudi, mais lundi dernier, on a travaillé tous ensemble sur géolocaliser une image. Et l'image qu'on a essayé de géolocaliser, alors vous l'avez, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être vu passer. Je vais vous la remontrer, c'est celle-ci. Donc je voulais juste faire le feedback, je vous mets le lien, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien dans le chat. Donc en gros, on a passé une bonne heure et demie, je pense. Ouais, un truc comme ça, on a passé une bonne heure et demie sur le live précédent à essayer de localiser cette photo-là. Et il se trouve que suite au live, derrière, bah, je l'ai posé un peu, j'ai posé la question sur ce tweet-là en mode, voilà, est-ce que vous êtes capable de trouver? Parce que on savait et on l'avait fait tous ensemble que c'était intéressant. Et on a eu, c'est assez chouette, puisqu'il y a eu trois solutions différentes. Il y a eu trois solutions différentes. Donc je vous mets le lien ici. On a eu trois solutions différentes à ce quiz-là, à ce quiz au Synth-là. Donc c'est plutôt cool, pour être honnête. Et surtout, on a eu trois solutions très différentes. Donc si on les regarde rapidement les unes derrière les autres, on voit que Ron, par exemple, donc après l'intro de base, Ron est vraiment parti, lui. Hop là. Alors, on va se remettre là. Par exemple, je vous mets le lien du write-up de Ron. Par exemple, Ron, lui, est vraiment parti de la photo en lui-même. Et pour ceux qui étaient présents lundi dernier, c'est une des premières choses qu'on avait fait, parce qu'il se trouve qu'en plus on en avait parlé. Donc il a pris les métadonnées
de la photo, les données, les fameuses données EXIF, et il est allé voir l'heure à laquelle ça avait été fait. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait. Et il se trouve que comme c'est un photographe en fait professionnel qui a fait la photo, en fait, il y a pas mal d'informations associées. Il n'y a pas de localisation, mais il y a pas mal de données associées. On voit que là, Ron, il l'a fait via un site internet qui s'appelle Gimple. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Si vous tapez, par exemple, EXIF Data Viewer sur Internet, vous allez, voilà, bah, Gimple, là, il sort en premier. Mais en gros, vous allez vraiment en trouver tout un paquet. Et le truc, c'est que, et c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, si, hop là, si vous êtes en train de géolocaliser quelque chose d'un peu sensible que vous n'avez pas forcément envie de partager avec un tiers, avec un site tiers, bah, il ne faut pas utiliser en fait ce type de site-là. Et puis obtenir les données EXIF en fait d'une photo ou d'une vidéo, c'est assez simple dans la mesure où il vous suffit juste d'utiliser et vous avez un petit outil en ligne de commande qui s'appelle EXIF Tool et qui fait très très bien le travail. Et donc vous pouvez très facilement. Alors je sais pas s'il est de base, je crois. Hein. Mais voilà, c'est un petit outil EXIF Tool qui marche très très bien et qui permet localement de faire exactement ça. Donc moi je. Vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas utiliser, n'utilisez pas tous ces. Attendez, je vais vous le mettre ici. N'utilisez pas des services en ligne pour faire ça. Il n'y a pas utilité. Il y a vraiment, il y a zéro utilité d'utiliser un service en ligne pour faire ça. Mais l'idée est bonne. À la rigueur, l'outil, la manière de faire, c'est un autre sujet. On voit que ce qu'a fait Ron, en fait, il est allé chercher la date à laquelle ça a été fait et. Et surtout, en fait, comme il y avait dans la légende, il y avait le nom du photographe, il est allé sur le site Associated Press pour aller voir les photos du journaliste en question. Et ça, c'est, on l'avait pas fait pour le coup. Et ça, c'est un très très bon réflexe de sa part. C'est-à-dire qu'on prend la légende et on va vraiment à la source de base. La source de base, c'est OK. En fait, c'était marqué dans la légende que c'était un journaliste de la paix. Et donc, aller sur le site de la paix et chercher ces photos. Et on voit que sur ces photos, on retrouve les photos qu'il a fait à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on les avait trouvées aussi, mais on les avait trouvées sur son Facebook. Après, il va parler du site du site où ça se trouve, de la ville en question, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que il est allé aussi, il a pris une autre source de données qui s'appelle Live View a Map, et c'est un site internet qui est très connu où justement il recense un peu des incidents divers et variés qui peuvent se passer. Et c'est intéressant, on n'y a pas pensé quand on a fait nous quand on a fait nous le travail la dernière fois parce que on se posait et à un moment je me revois même poser la question oralement en disant tiens bah c'est où que enfin où est-ce qu'il y a eu les bombardements où se passe c'est par où que les civils en fait les civils évacuent. Et donc avoir cette carte-là en se disant ok bah en fait à telle date il y a eu tel truc tel raid tel c'est un sujet qui est intéressant. Salut Ben. Et globalement il est allé retrouver de l'information et on retrouve ensuite cette arche-là cette arche qui est ici et qui va permettre ensuite qui est un marquant qui permet de le rattacher à l'université. De retrouver le mur en question et d'être en capacité de retrouver l'endroit mentionné. Donc vraiment, si je peux vous inciter, franchement, cet écrit-là, ce rendu-là, il est vraiment pas mal. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à le lire. On voit, et c'est un peu toute la beauté, c'est tout ce que je raconte à chaque fois, c'est un peu la beauté du truc, c'est que pour un même problème, on a tous des solutions différentes. Et là, c'est carrément une. On s'est posé ces questions-là.
Et on n'a pas eu les mêmes réponses, donc c'est vraiment ça qui est cool. Et vous voyez que c'est vraiment comme ça que on s'améliore à ce petit jeu-là. C'est que, en fait, c'est en se creusant la tête, en se posant les questions, en se disant, ah, purée, je m'étais posé la question, et en fait, je suis arrivé à autre chose. Alors, pour aller rapidement sur le deuxième write-up qu'il y a eu, donc sur celui-ci il est intéressant puisqu'elle est partie également des données EXIF de la photo. Elle a retrouvé donc via les réseaux sociaux les photos, donc ce qu'on avait fait nous. Elle est allée chercher en fait toute une partie, donc regarder un peu les éléments qui ressortent. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, alors celui-là il est un peu plus court, mais en gros, elle a pris tac tac tac. Ouais, celui-là il est un peu plus court, mais en gros, elle a pris les Nanana. Voilà, elle a... en fait, elle s'est dit que c'était à côté de l'hôpital. Elle s'est dit que c'était à côté de l'hôpital et que elle cherchait une ligne droite et elle a pris du coup celui-ci. Ça marche aussi, ça marche aussi. Il y a moins ce côté entre guillemets étape par étape, méthodique si je puis dire, mais à la fin le boulot est là donc ça le fait aussi. Et après. Après, on en avait un autre que j'aime bien, donc qui a été fait par un Français, qui a été fait par un Français, et on peut voir que, donc je vous le mets aussi ici, on peut voir que la personne est partie, donc de la même façon, on voit, il repart de la légende, et vraiment dans la légende, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, il repart de la légende. Et il va chercher les réseaux sociaux, donc ce qu'on raconte tout à l'heure. Il décrit chaque chose vraiment remarquable sur sa photo. Il est allé voir les autres clichés. Donc là, on voit qu'on est de la même façon. On est dans la même logique que le premier write-up qu'on a lu ensemble. Et le truc rigolo, c'est que il parle des ombres. Et si vous vous souvenez la dernière fois, on a parlé aussi des ombres tous ensemble. Il y a même, si vous reprenez le replay, le premier truc que je raconte, c'est comme ça, je mets ma main comme ça. Et en fait, il est parti des ombres et de l'orientation des ombres. Et de se dire, ok, bah en fait, je cherche les ombres à peu près à cette heure-là, les ombres doivent être dans ce sens-là. Et au lieu de faire le d'être de ressembler à rien en faisant ça, il y a un outil qui permet effectivement de porter les ombres et d'avoir une vue. Et ça, c'est pas mal intéressant. Et de la même et ensuite il est allé prendre le contexte pour aller chercher où se trouve le corridor et à la fin il retrouve en fait il va retrouver petit à petit l'endroit donc c'est vous voyez que celui-là est beaucoup plus long lisez-le vraiment lisez-le en détail parce que on voit la difficulté en fait de trouver ça et il rattache ensuite si vous voulez petit à petit à l'université. Il y avait un truc en fait qui était beaucoup plus simple de mémoire, mais genre beaucoup, beaucoup plus simple et qu'on a loupé et moi le premier. Si on se remettait sur celui-ci, de mémoire, il parlait pas de ligne. Pardon. Donc, en fait, dans l'article. Il parlait de l'université. Regardez, si je le prends là, tac. Gna gna gna. Il parlait de l'université Alcaza. Et donc en fait, on avait déjà plein d'informations en réalité. C'est vraiment qu'on est passé à côté de beaucoup de choses parce qu'ils évoquaient donc on avait la date. Si on prenait l'image, effectivement, on avait les données EXIF. Il parlait de Quiñones. Et on a parlé, on s'est concentré, nous on a vu hôpital Al-Nasser, donc on s'est concentré là-dessus, mais après ils expliquent bien que les troupes israéliennes ont ainsi attaqué la fac Al-Qaza. Et donc on pouvait tout à fait essayer de chercher la fac en question.
Et en fait, à la fin, c'est le bâtiment, on est vraiment littéralement juste à côté, juste à côté. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon, un petit tour d'horizon sur un petit retour d'expérience sur ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc retour plutôt cool. Et comme promis, bah, on a publié également notre solution. Donc on vient de le publier à l'instant même. Donc il est tout frais, c'est tout frais, tout beau, tout joli. Et en fait, on a deux solutions distinctes dans notre write-up à nous, puisqu'on a deux personnes chez nous, deux analystes de chez nous qui ont travaillé sur une solution et qui en fait ont suivi des chemins complètement différents et qui à la fin ont trouvé la solution. Donc plutôt cool, n'hésitez pas à lire, ça fait une autre solution. Donc évidemment, on trouve le même endroit, mais plutôt cool. Je la partagerai évidemment, je la partagerai sur les réseaux à la suite de ça. Donc voilà, plutôt sympa, mais ouais, effectivement, Ben, parfois c'est juste là. C'est exactement ça, et c'est ce que je dis souvent en fait, c'est que en gros. Très souvent, on se lance la tête baissée dans les trucs, etc. Mais en fait, il n'y a pas la peine. Il n'y a vraiment pas la peine. Et en fait, tout est déjà plus ou moins là. Un truc que je vais changer de sujet. Si vous avez des questions sur ça, on en a déjà beaucoup parlé, mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas vraiment à poser les questions. C'est avec plaisir. On peut évoquer un autre truc qui est LM Studio, parce que j'y tiens, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle et que ça a été un échec retentissant. Donc j'ai un peu retravaillé, entre guillemets, ma copie. Et en gros, j'ai installé, on l'avait fait, je crois de mémoire, on l'avait fait ensemble. J'ai installé LM Studio. Donc LM Studio, ça vous permet en fait de faire tourner en fait localement vos LLM. Donc vous téléchargez les modèles sur votre PC, sur votre machine, et derrière vous pouvez charger le modèle que vous souhaitez et discuter avec. Donc juste pour vous montrer. Donc par exemple, hop, je vais supprimer ça. Ah, vous pouvez en fait. Moi, j'ai téléchargé trois modèles différents. Donc, notamment, je vous ai écouté parce que j'ai téléchargé le DeepSeek, là, qui facilite, qui est plus spécialisé sur les questions de code, etc. Et en fait, vous avez vraiment une interface. Alors, il faut que je le reload pour continuer à discuter. Et en gros, vous avez vraiment votre interface à la ChatGPT. Et franchement, si pour la quasi-totalité des trucs que vous avez à faire, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Moi, j'ai commencé à l'utiliser pour lui poser des questions de code un peu à la con, faut le dire, hein. Mais je sais pas, moi, par exemple, comment comparer. De JSON, il y avait ça. Comment comparer deux JSON qui possèdent. Comment comparer deux JSON en Python? Enfin, des trucs. Tu te poses une question, tu es en train de coder un truc, tu as la flemme, bah, tu vas lui poser la question et vraiment, il va te sortir le déroulé. Vraiment, à la ChatGPT, rien de. On commence à s'habituer, donc j'ai envie de dire rien d'exceptionnel. En vrai, c'est très stylé, mais. Mais c'est vraiment, ça fait partie des trucs, voilà, vous l'avez en direct. Je suis en train de me dire que le fond d'écran est vraiment pas terrible pour faire un live. Parce que vous y voyez a priori pas grand-chose. Ouais, c'est déjà un peu mieux ça. Donc voilà, c'était pour vous dire, ça finit par non seulement se télécharger, mais en plus ça marche très bien. Donc vraiment, si vous voulez faire joujou avec, je vous conseille, parce que en fait vous avez l'autre fois quand je l'ai fait en direct, je suis allé un peu vite, et en gros tous les plus gros modèles intéressants, ils vont être ici sur la page d'accueil, suffisait de lire, et vous avez quand même pas mal de trucs, donc c'est assez intéressant.
Et ne serait-ce que pour ne pas donner vos données à OpenAI ou à un autre service, l'avoir en local, ça fait le boulot et c'est très 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 bien. Voilà, c'est à peu près le retour. C'est à peu près ce que j'avais prévu en termes de retour d'expérience ou autre. Si vous avez des photos, n'hésitez pas, je le répète souvent, mais si vous avez des photos que vous voulez partager, géolocaliser. Alors j'avais ouvert cet article-là. J'avais ouvert cet article-là, mais on n'a accès à rien. Voilà. Alors attendez. Attendez. Tac. Où c'est? C'est par là. Hop. On va mettre la webcam. Alors on va mettre la webcam. Et j'avais tiré tout un tas de liens. J'avais tiré tout un tas de liens sympas. Tac, tac, tac. C'est quoi ce truc-là? Non. Nope. Ah ouais, j'avais une photo. J'avais une photo à géolocaliser. Je vais vous mettre celle-ci. Celle-ci, j'aime bien. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai une affection toute particulière pour les échecs. J'en ai déjà parlé, dans ce live, mais alors, tac, regardez, on va gagner un peu d'espace. Hop là. J'ai une affection toute particulière pour les échecs, qui est un domaine que je suis depuis très longtemps, plus jeune. Ça fait très vieux de dire ça. Plus jeune, je jouais aux échecs, genre beaucoup, beaucoup. J'ai passé à peu près toute mon adolescence à jouer aux échecs et j'étais jusqu'à aller en section sport études échecs. Donc j'ai passé échecs au bac. C'était assez drôle. Et tout ça pour dire que c'est un domaine que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas trop le temps d'y jouer, mais genre de truc où j'y reviendrai, c'est certain. Et en gros, le monde des échecs depuis quelques années bouge beaucoup. Et il y a ce monsieur qui est au cœur de plein de polémiques ou voilà, pour plein de sujets, pas forcément le sujet actuellement, qui est un Américain. Qui se la ramène beaucoup, faut dire ce qui est, et il a publié, donc il reçoit plein d'amour d'Internet, comme il le met sur ce tweet-là. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir de localiser. Je me suis dit, tiens, ça ferait un truc marrant à localiser. Ah, bah, avec plaisir, pour lire l'article de Bloomberg, j'ouvre la photo. Alors, c'est une photo d'actualité. C'est rigolo. Ok. Je veux bien l'article associé. Si tu as Ice Cream, je veux bien l'article associé. Si tu l'as, mais au pire, on va le retrouver. Et je m'ouvre aussi l'article de Bloomberg. On va en parler après. Donc, sur cette photo, je me suis dit que c'était marrant si on pouvait la localiser ensemble, sachant qu'il y a pas mal d'indices quand même. Et si on était un peu joueur, et vous avez compris que je le suis un peu, on va essayer de la localiser sans faire de reverse image search. On va essayer juste de le faire avec ce qu'il y a, parce que je pense qu'on a largement de quoi faire. Je peux complètement gourer, hein, mais. Alors, on voit un truc qui s'appelle Replays. On a 100% Hollande. Donc, ça nous donne. J'avais même pas vu qu'il y avait le nom du pays comme ça. On a une petite place.
Est-ce qu'on est capable de lire d'autres trucs? 27. 27. Et on a un menu. Donc on est clairement dans un bistrot ou un truc. Donc voilà. On a pas mal d'infos. Si on essaie de comprendre la scène, on a une place ici. On a un banc ici. On a des espèces de marches. On a des espèces de marches par là. C'est très bizarre. Est-ce que ça mène à quelque chose? Je ne sais pas. Il y a des lampadaires. Là, on voit aussi quelque chose qui est pas trop lisible. Et donc, alors, essayons un truc. Donc, on va se mettre pour cet exemple-là. Juste, on va taper Hollande Replays et je pense qu'on va très vite trouver Things to do in Amsterdam Replay. Ok. Ah, ça ressemble bien, regardez, on l'a déjà ici. On l'a déjà là. Donc c'était pas ultra dur, hein. On peut même se mettre ici. Regardez, tac. Bon bah, c'était un petit peu beaucoup trop facile. On a notre replays. Donc le café dans lequel il se trouve. Ça va être celui-ci, j'imagine. Alors attendez, hop, non. Non, 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 non. Non, non, c'est pas celui-ci, regardez. Hop là, hop. Si on se met. Alors attendez, tac. J'essaie de me remettre correctement. Donc il est vraiment en face. Il est vraiment en face. Donc c'est ce. On peut. Ah si, on peut y aller. Hop là. Hey, forcément. Forcément, sinon c'est pas marrant. Mais est-ce qu'on voit notre poubelle et notre lampadaire? Est-ce qu'on a notre poubelle et notre lampadaire? On a notre poubelle et notre lampadaire ici. Donc il est dans ce café, le Majestic. Hop là. Ici, on a la poubelle, le lampadaire. Ça correspond a priori au replays. Et on voit qu'on a sa chaise ici même. Regardez. On voit qu'il est à ce niveau-là, sur cette table-là ou cette table-là. Comme ça. Effectivement. Et est-ce qu'on peut s'amuser même avec le menu? Limite. On voit qu'on est sur un truc en bois. Regardez. On peut même retrouver que le petit support en bois là, qui fait tac-tac, et avec un petit, ça part sur le côté. On a effectivement notre petit support en bois. Et comme c'est pas le soir, il n'y a pas les petites lampes. J'imagine qu'ils rentrent les petites lampes, ce serait logique. Mais c'est là où. En fait, on pourrait aller sur Google Photos. Plus le cendrier, bien joué. Effectivement, le cendrier, bah, ouf, pouah, effectivement. C'est assez facile à voir. Effectivement, le cendrier ressemble, donc on est au bon endroit. Tout ça pour dire que, bon, là c'est un exemple ultra facile, mais on n'a pas toujours besoin de Google Images, de faire un reverse image pour trouver, pour retrouver nos petits. Ouais, celui-là il était facile. Celui-là, on reste limite sur notre faim. Alors, j'ai vu que tu avais partagé Ice Cream. Tu as partagé l'article en question. Alors, on va faire un sujet d'actualité. Sujet d'actualité. Hop. Donc, colère des agriculteurs. L'A6 toujours partiellement fermée. Ils étaient environ une soixantaine. Donc, la photo que tu voulais. Ouais, mais il y a la photo, c'est même pas drôle. Manifestants prenaient samedi leur repas sur l'autoroute. Le
préfet à manger. Ça, c'est de la photo, hein, dis donc. Ok. Bon, alors. On peut effectivement partir de cette photo. Ça peut être marrant de retrouver le pont. Sachant que c'est une autoroute, il y a la proba qu'on retrouve l'endroit est plutôt grande, soyons honnêtes. Ils se sont quand même fait chier à ramener la table, hein. Faut le dire ce qu'il y a, hein. Les mecs ont ramené une bête de table. Hein. on voit, alors, faut comprendre un peu le contexte, il va falloir lire un peu. Mais il y a quand même des grandes chances que ce soit l'endroit exact. Puisque les actions se poursuivent, nanana, l'autoroute A6 reste fermée ce samedi matin dans les deux sens, entre la sortie numéro 17 et la sortie 25. Il est uniquement possible de prendre la 6 au niveau du péage de Beaune Sud. Les agriculteurs maintiennent le blocus sur ces voies le samedi. Il devait prendre ce midi un repas en plein milieu de l'autoroute. Cela ne reste que des paroles, nanana. Donc, au niveau du péage de Beaune Sud. Va voir. Hein. Ça doit pas être si compliqué. Celui-là, je pense qu'il est pas si compliqué que ça non plus. Beaune Sud, péage. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Et. Alors, histoire que je sois moins bête. Je regarde où se trouve Beaune, quand même, hein, soyons. D'accord, j'avais aucune idée. Ok. Au péage de Beaune Sud. C'est la 6, d'accord. Et nous, on cherche un pont dans ce quartier. Genre comme ça, quoi. Par exemple. Parce que la 6 elle est là, ça se trouve ils ont mangé là, tranquille. Mode. Là on a notre pont. On a aussi un pont là. On a aussi un pont qui est ici. Et sur nos agriculteurs, on a un petit panneau là. Un pont qui ressemble pas mal. Hein. On a un petit panneau aussi. Ouais, je sais pas si c'est le même quand même. On a une marque. Non, c'est pas le même, regardez. Il n'y a pas la marque blanche. Ouais, on ne doit pas être très loin. Si c'est pas celui-là, ça doit être l'autre à tous les coups. Si c'est pas celui-là, ça doit être l'autre, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est peut-être de l'autre côté pour le coup. C'était quand ça? C'était. Est-ce que ça date ou pas? Il date de quand l'article 27? On est combien? 29? Si on fait un truc maps.snapchat par exemple. Proba qu'ils soient encore là est grande. On a dit qu'on était par là à peu près. Beaune, c'est par ici. La marque, c'est pas de la peinture pour couvrir des graphes. Si, mais il y en a. Malheureusement, t'en as sur plusieurs endroits, sur plusieurs ponts. Donc là, le péage, il est là. Le péage qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est de voir s'il n'y avait pas un agriculteur qui, par hasard, avait. Un agriculteur qui avait posté un snap au pif. Sur un malentendu? Non. Non. Non.
C'est quoi ça? Et tu peux... Ah, Snapchat est dispo en web. Je savais pas tout ça. Ok. Ah. Ah mais ok, je savais pas tout ça. Ah ils se sont adaptés pour essayer de contrer un petit peu pour essayer de contrer un petit peu TikTok. C'est flippant voir tous ces gens qui regardent leur téléphone. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, franchement? Faites pas ça, les gens. Ça me fait flipper. C'est très très flippant. C'est quoi Snapweb, du coup? C'est quoi la différence Snapweb? Il y a une différence. Username. This phone number. Vas-y. Attends, mais attendez, je suis obligé de sortir. On est obligé de sortir. Il est où? Il est où? Ouais, tu peux faire pas mal de trucs, mais regardez, on va le faire ensemble. Bon, c'était pas du tout prévu, hein, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait la joie du truc. Alors. Le logiciel dédié, ça doit être ça que t'as en tête. Logiciel dédié. Donc, on va aller sur Burp. Et effectivement, alors, regardez, je vais resize un peu. Et on va se mettre sur. Donc, je savais pas que ce truc-là existait. Comme quoi, on en découvre tous les jours. Et en gros, ce que fait ce truc-là, c'est que vous avez un navigateur en fait un peu particulier. Et de l'autre côté, vous avez toutes les requêtes qui sont faites. Toutes les requêtes qui sont faites qui vont arriver ici. Donc vous voyez en fait tout ce qui est toutes les requêtes qui sont faites et vous avez accès en fait au contenu. Et après vous pouvez faire pas mal de choses. C'est un outil qui est extrêmement connu parce que utilisé par beaucoup de gens qui travaillent dans la cybersécurité en gros. Et voilà. Et en gros, un truc rigolo, logging to chat, par exemple. Voilà. En gros, si j'essaie de me loguer, j'ai aucune idée de savoir si j'ai dû avoir un compte là-dessus. Mais alors, donc, regardez, je vais marquer ce truc-là, histoire de dire, on était là. Hop. Merde. Pardon. Highlight, tac, voilà. Donc on était là, tac, tac. Et si j'essaye avec test@gmail.com, est-ce qu'il a un compte sur les réseaux? Ouais, je peux. Soyons fous. Qu'est-ce qui arrive? Hop. Je suis... Bonne nouvelle, je suis un humain. Je sais pas si on fait John. Est-ce que John il a un compte? Non, il n'y a pas de compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé un compte F-Society? Je crois pas que ce soit moi. S'il y en a un, je serais surpris. Ah, il y a un compte F-Society. Je ne savais pas. Et ce qui est rigolo, c'est de chercher. C'est de chercher. Regardez, hop.
Donc en gros, là, on a fait ça. Y a pas mal de tokens. Il y a pas mal de tokens. Et ça vous dit quoi? Ça vous dit que il l'a trouvé. Et en fait, un 302, il vous mène vers le... Ok. Non, c'est intéressant, je regarderai. Ah, John, ils doivent se... John, test. @gmail.com. Il y a des trucs comme ça où... Il fait pas bon d'avoir cet email, ouais, ça c'est sûr. Ouais, intéressant. Intéressant, il doit y avoir des choses à tirer intéressantes de ça, ouais. Intéressant. Ok. Ok. On avait dit. Attendez, on avait dit qu'on s'amuserait, si ça vous dit, on avait dit qu'on s'amuserait sur. Qu'on s'amuserait un petit peu à regarder, à faire un petit projet. Alors attendez, je ch change de sujet, mais parce que j'y pense, qu'on allait faire un petit projet en mode, bon bah ça du coup je peux le supprimer, mais qu'on allait faire un petit projet GeoGuessr pour intercepter la solution. Donc ce que je vous propose, regardez, on va commencer comme ça. On va ressortir. On va ressortir notre GeoGuessr. Donc on ressort ça. Tac. Tac. Et on va se mettre sur GeoGuessr. Va se mettre sur GeoGuessr. Et sur GeoGuessr, on va faire une petite partie. On va faire une petite partie. En mode. Non, pas partie comme ça. En mode single player. Non, regardez. On va faire une partie. Faisons une partie tous ensemble. Regardez, faisons une partie tous ensemble et en même temps on va faire plusieurs choses. Regardez, hop. Allez-y, n'hésitez pas à... Alors c'est le lien, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la partie. Et regardez, on va faire d'une pierre deux coups. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Et en fait, vous voyez que pendant que les personnes arrivent. Donc, on a des trucs intéressants. Tac, tac. Donc là, on récupère. Avatar. C'est quoi ça? Ça, c'est tout ce qui est... Alors attends, hop, ok, beaucoup de coupes afro là. Alors, on va définir déjà le scope. Donc, on va définir un scope. Comme ça, on n'aura que les géoguesseurs. Ok, on va capturer que ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et vous voyez que là, on va avoir toutes les requêtes en fait de géoguesseurs qui vont nous arriver. De la même façon, ici on va afficher que ce qui vient de GeoGuessr. Et alors, si vous êtes chaud, on va lancer une partie. Et on va lancer le game. Allez, c'est parti. Alors. Tac. Ah, ça doit être un truc distinctif encore. On a du japonais. Japonais ou chinois? Chinois plutôt. Et en gros, si on se met un peu à regarder ce qui se passe, on voit que on a game server qui nous envoie, ok, t'as un live challenge.
Ma bande, ma map. Et Lancer. C'est ça. Lancer, c'est ça. Et si par exemple, je veux. Regardez. J'intercepte la requête que je fais et que je mets là. Et que je fais un guess. Que j'ai intercepté. Ok. Forward. Et game server, en fait, j'envoie. Message, c'est quoi ça? Non, ça c'est la solution. Et ça c'est ma solution. Et en fait, si je fais. Je vais pas être assez rapide. Putain. Ça a pas marché, je pense. Faites voir. Non, ça a pas marché. J'ai eu 0 points parce que je suis où? Attendez, je me suis placé où du coup? Je me suis placé où? Je me suis placé où? Et j'apparais pas. Ouais, parce qu'il l'a pas validé. Alors regardez. C'est une sorte de Wireshark. Bah, Wireshark, en fait, ça te permet d'aller un step en dessous. J'ai pas validé, j'étais en train de valider. En fait, regardez. Tac. En gros, j'essaie d'identifier en gros le tour en 2. Ah, rigolo. Donc regardez, tiens, Sand Repeater. Je vais faire la solution answer tac. Regardez tac. On va se remettre en pardon. En fait, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Juste besoin de faire tac tac. Ça intercepte. Permis, option, moi je recopie mon truc comme as, je forward et on attend. Et normalement, moi j'ai validé Taiwan. C'est encore Taiwan? Mais ce qui est intéressant, c'est que on a notre poste, donc tour number 2, donc. En fait, et ce qui va nous intéresser, c'est quand nous, on va poster une solution. Et il y a eu celle de tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai envoyé moi. Ça, c'est ce que j'ai envoyé moi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'était pas du tout ça. Je me suis trompé, j'ai pris la solution de tout à l'heure, en fait. J'ai pris la solution de tout à l'heure. Mais regardez, player ID. Nanana. Ça donne les détails. Non, ça c'est le lobby. Ça c'est le lobby. Ça c'est... vas-y, on démarre. Ça, c'est le premier. Regardez. Donc, ça, c'est le round 1. C'est vraiment, je démarre. Donc, je fais un get. Il dit, je veux, donne-moi le live challenge. Donne-moi ce live challenge. Qui est un UID classique. Voilà, rien de fou. Ensuite, une fois que j'ai posté là, j'ai pas posté la solution pour le premier. Ensuite, je vais... J'ai posté la solution. J'ai. Ensuite, on lui a demandé, bah vas-y. C'est ça, c'est quand je clique sur prochain. C'est quand je clique sur prochain round. Donc, en gros, ça envoie cette requête post qui dit, bah pour le challenge machin, avance au round qui sera ici. Et pour. Et ça, c'est le guess. Ça, c'est quand je donne ma solution. Ce qui est marrant. Vous voulez faire un truc marrant? Regardez. Est-ce qu'on peut pas faire? Tac. Et au lieu d'aller au round 3, qui est censé être le prochain, on va aller au round 4. Regardez. Advance round. Tac.
Tac. Non? Oh, il a pas voulu. Il a pas voulu, le méchant, regardez. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, je peux pas aller du round 4. On commence tranquillement. Ouais, mafiologie, effectivement, on commence tranquillement à regarder comment, grosso modo, comment fonctionne GeoGuessr. Et globalement, comment fonctionne une web app. Et en gros, là, le truc, c'est que effectivement, il me dit, bah, tu peux pas aller de la round 4 à la round 3. Ok, donc il a vu qu'on avait essayé de manipuler, il a quand même un check en fait en interne. Il a un check en interne qui lui dit qu'il n'est pas content. Et si on essaie de le faire en arrière? Ça peut être marrant. Donc on va intercepter. On lui dit tac. On lui dit tac. Tac. Vas-y, mets-moi pas au 3, mais au 1. Je veux revenir en arrière. Je pense qu'il nous a cramé aussi. Je peux pas aller de 1. Depuis le 2. C'est assez rassurant, ils ont fait gaffe. Ils ont fait gaffe. Bon allez, au lieu de faire des bêtises, hop, on va continuer. C'est reparti. Donc round 3, donc il y a déjà normalement la solution qui est ici. Voilà. Et donc ah, en fait, j'ai pris la solution la plus basse, c'est-à-dire que en gros, il remplit un objet au fur et à mesure. Donc ça c'est le round number 3, c'est pour ça que j'ai pris la première solution, je suis un peu couillon. Et en gros si je prends celui-ci, je fais ça, regardez, tac, et que je l'envoie, ça va valider. Et là il te remet, c'est rigolo, il te remet, donc le name c'est Baptiste. Guess, on voit que moi j'ai déjà validé, donc il a bien pris. Vous voyez qu'il y a un delta entre l'UI, en fait entre l'interface et la réalité, c'est que côté serveur il voit bien que j'ai validé, mais là sur l'UI bah, j'ai rien de fait. Donc du coup je sais même pas où est la solution. C'est marrant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est toujours dans son même objet. Il a un gros objet en fait. C'est drôle ça. En gros, il a un gros objet qui vient rajouter à chaque fois. C'est rigolo. 0 points? Pourquoi? Vas-y, t'es pas cool. Ça l'a pas fait valider? Woody, je suis toujours pas dedans. Si, Baptiste. Ah si, regardez. Hé, c'est marrant. On commence à le perturber un petit peu là. C'est pas mal. Là. Ça, j'aime bien ça. En fait, regardez. Je sais pas si vous y voyez grand-chose. Je vais mettre plus gros. Mais en gros, vous voyez qu'il me dit, bah, vous avez pas fait de, vous avez pas fait de, vous avez pas deviné, vous avez rien deviné. Sauf que j'ai quand même les 5000 points. J'ai quand même les 5000 points. C'est marrant ça. Ok. Je sais pas s'il y a une variable côté client. Non, c'est côté serveur en fait. Il reçoit l'info côté serveur. Donc en gros. Donc là, il t'amène round 4, il va reprendre le truc. Tac. Donc si je refais mon truc, vas-y, je vais aller jusqu'au bout voir. C'était le total, pas les points du round que tu as commenté. Oui, mais avant, j'avais fait 0. J'avais fait. Oui, mais j'avais fait 0 à tous. Et est-ce que. Regardez. Est-ce que je peux me rattraper des tours d'avant? Ce serait marrant ça. Regardez par exemple le round 1 où j'ai pas répondu, où j'ai fait 0. Est-ce que je peux renvoyer ma réponse pour le round 1? Ce serait rigolo, un peu. You can guess when the game is on round 1. Ouais, t'es pas drôle.
Oui, mais t'affiches 0 point en dessous de la map. Voilà, exactement, petit bonnet, c'est exactement ça. C'est ce que je disais en fait. C'est qu'en gros, si vous voulez, il m'affiche effectivement dans la map. En gros, en fait, je pense que l'interface est vraiment qu'en local. Donc l'interface ne fait que regarder localement si tu as deviné ou pas. Si t'as pas deviné, il te dit bah c'est mort, t'as perdu, t'as 0 point. Mais en réalité, côté serveur, vous voyez, en fait, il va faire un call côté serveur, ici. Regardez, vous allez le voir normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ici, en fait, il va faire un côté serveur pour vous afficher classement. Il va faire un call à leaderboard, position, en disant, OK, quelle est la position après le round 4? C'est ça. Et il va vous donner, bon, OK, ça, c'est la position de Baptiste. Puisque en fait il me donne ma position que pour moi, ce qui est un peu curieux, soyons honnêtes. En vrai, parce qu'en vrai, de l'autre côté, tu l'as quand même. Et si on fait par exemple ça, donc ça c'est par exemple cette requête, on va être organisé, on est déjà organisé, nous on est d'accord. Leaderboard position, par exemple, si je le fais. Je dis OK, quelle était ma position après le 1? Position 3e, round number 1. Ça, c'est pas très logique par contre. Game entry, position 3. Ah, d'accord, pardon. Donc en fait, ça, c'est la position actuelle. Ça, c'est la position actuelle dans le round en question. Et ça, c'est la position à laquelle j'étais au round 3. Et si par exemple je redemande de recommencer le game, j'ai le droit à ça? Il va me donner round 3, round 4. Non, il me redonne le tout. D'accord. Il me met ma distance. Vous voyez ma distance 0. J'ai fait un score de 5. Là, j'étais parfait. Là, j'étais parfait. Ok. Attendez. Oui. Ouais. Round 4, round number, game. Qu'est-ce qui se passe? Ok, si tu veux. Je tiens à dire que même en trichant en deux tours, je reste plus nul que deux d'entre vous. C'est rigolo. C'est rigolo. Et attendez, hop. Machin. Ok. Et par exemple, quand je poste une réponse, regardez. Si je poste une réponse, donc là, je fais. Ça, c'est vraiment. Ça va être mon guess. Sur mon guess. Effectivement, petit bonnet, ouais, c'était carrément l'idée de base. Il faut pas le faire, hein, mais c'est carrément l'idée de base. Les sites peuvent détecter les requêtes bizarres comme tu fais. Normalement, ils essayent pas de ban automatiquement. Bah, en vrai, c'est pas des requêtes bizarres. Je fais les requêtes correctement. C'est juste que je les intercepte, je regarde ce qui se fait et parfois je répète les requêtes. Mais c'est une requête pour le site en question. C'est une requête tout à fait légitime. Après, c'est dans les comportements, et c'est là où c'est plus compliqué à trouver, c'est dans les comportements et la manière. Où est-ce que. Donc j'ai un cookie, alors device token, session, regardez, on a une session là. Il devrait me ban pour. Bah, sachant que s'il voit mes habitudes, clairement, il voit que je suis nul à chier. Je suis nul. Et attendez, hop, là j'ai un token,
Il veut pas se mettre. Non, c'est pas ça. Je fais une bêtise. Ça, regardez, session ID. Oui, n'importe quoi. Session ID, c'est ça. La question, alors vous voyez, quand on cherche notamment des failles, quand on cherche des failles de sécurité haute, le truc m'a. Le... Imagine, tu te classes top 10 GeoGuessr ce soir. Je me demande comment il réagirait. Bah, je pense qu'il te tège parce que, en vrai, si c'est vraiment trop flag, c'est quand même un peu bizarre. Mais par contre, tu peux. L'UI ne permet pas d'aller au round précédent. Donc cette requête est impossible. Ça peut être un test pour ban ceux qui ont envie de tricher. Si, tu peux aller. Quand t'es maître. Là, comme je suis. Comme c'est moi qui ai lancé en fait la partie, je suis maître du truc. Donc je peux aller au round précédent. Tout à fait. Je pense que en gros, si tu fais ton bot et que tu le fais en mode vraiment bateau, complètement couillon, qui donne la réponse exacte à chaque fois, ouais, tu vas te faire remarquer très très vite. Mais si t'es un peu malin, en vrai, si tu donnes une réponse approchante, avec où tu randomises un peu le truc de manière un peu maligne, ou tu le fais tromper de temps en temps. Tu peux carrément aller, à mon avis, tu as une petite expérience à faire. Alors tu vas te faire virer très très vite, c'est sûr et certain. À la fin, tu te feras avoir, et encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais ne faites pas ça. Mais pour l'expérience, c'est assez rigolo. Bien joué, Géographeur. Il y en a qui bossent pour de vrai pendant ce temps-là. C'est 20 000 points, c'est carrément solide. Hein. C'est carrément solide. Et alors, l'idée, regardez. L'idée, comment on retourne? Attendez, comme je suis dans une. Il est un peu bizarre. Ouais, bien joué, hein. Franchement, 20 000 points pendant que j'étais en train de dire n'importe quoi. Alors, j'aimerais bien voir si on peut chercher les gens. Alors, par exemple, j'ai cherché Géographor. Si tu m'en veux pas. Fort. Ouais, je pense que Géographor, tu dois toucher un peu. Géographor, on voit que donc on est sur ton profil. Et si on regarde un peu les requêtes qui ont été faites, donc ça c'est effectivement, on voit. C'est rigolo, ça c'est tous les équipements que tu dois avoir, j'imagine. API Maps. Ok, on voit que tu as créé une map, même. Tu as créé des maps, on voit les maps des gens. Il va voler tes points. Grave, moi je veux ta coupe afro, Géographor. Et quand on fait une recherche, regardez. Voilà. Regardez, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant et il y a plein de choses à dire là-dessus. Typiquement, quand on fait un service comme Predicta Search ou quand vous voyez toutes les outils que vous pouvez voir qui permettent que ce soit des Maigret, des What's My Name ou des trucs comme ça. Regardez, je vais vous mettre les noms. Donc que ce soit un Predicta Search, que ce soit un Maigret, un What's My Name, par exemple, tout ça va utiliser ce type d'API-là. C'est-à-dire qu'on va venir regarder comment fonctionnent les choses. Et encore une fois, il y a zéro secret. Hein. Et on va aller regarder les requêtes. Et vous voyez, cette requête-là, bah déjà, on peut chercher par username. Ici, là, dans cette requête de recherche. C'est clairement, donc ça va être search par exemple, on va pouvoir mettre un username. Donc si je cherche ici F-Society, bah, j'ai pas de F-Society. C'est quoi mon pseudo sur ça? Baptiste? Du coup, comment on voit son pseudo?
Bah attends, je suis un peu débile. Mon pseudo, je vais le voir là. Même si je devrais pas avoir à faire ça, mais. Avatar. Maps. Touk C'est quoi mon pseudo? Bah alors. Attends. API V4 profil. Tac. Comment ça? Ok. Marrant comme c'est organisé. Et donc. C'est marrant qu'il s'appelle Avatar. C'est rigolo. Ouh, je sens que je suis en train de bugger sur un truc naze là. Friends. En fait, tout fonctionne. Tout fonctionne sur un truc un peu bête. Alors, attends, tac tac. Il me pollue un peu les next là, parce que c'est la data qui m'intéresse pas. Enfin, je crois pas. Non, c'est la data. Est-ce que je peux hide? Search tout ce qui contient du next comme ça je peux faire ça ouais ça marche negative search c'est pas mal ça si vous voulez enlever des trucs ok et donc là on y voit un peu plus clair on y voit un peu plus clair et globalement globalement, profil stat, gameplayed. T'es, il est marrant. Hein. Tu n'as pas. Je vois pas. Et comment tu fais ça donc? Comment tu modifies. Comment tu modifies. Ton pseudo. Donc j'ai un ID ici. Ok. J'ai un ID. D'ailleurs, ce serait marrant parce que si tu dors que ça. Ouais, c'est effectivement c'est Burp Suite. Effectivement, si tu dors que juste ça. En mode. Google.com in URL tac dans l'URL je veux ça non t'en as pas alors on va le faire comme ça site je veux tous les le site GeoGuessr qui dans l'URL contiennent user je dois ça. Non, toujours pas. Ils sont pas indexés, hein. Et si je veux user in title, ça marche pas. Je veux voir. Non, mais c'est pas. A priori, c'est pas très indexé tout ça. Je cherchais mon nom de profil. Incroyable que j'arrive pas à le trouver. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Je ne sais pas. Parce que je suis un gros naze. Mais à settings, ça doit être là. Non. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. À compte. Nickname. C'est Baptiste. Donc si tu cherches Baptiste, tu tombes sur moi.
Attends, deux personnes peuvent avoir le même nom, du coup. C'est marrant ça. Est-ce que je peux chercher des emails ici? Et oui, il y a un ID derrière. Et donc on voit ce qui est rigolo, c'est que bon, il y en a qui n'ont pas trop compris comment utiliser le. Donc lui par exemple, Pro Unlimited, je sais même pas ce que c'est. Lui, il s'est mis son email. C'est pas la folie, hein, mettre son email en pseudo. On n'est pas sur une dinguerie. On n'est pas sur une dinguerie, ça c'est sûr. Ok. C'est quoi qui est free? Shop. Est-ce que ville, c'est vraiment une adresse? Quoi? Ah, oui. Peut-être qu'il a dit n'importe quoi, c'est ça. Oh, c'est marrant ça quand même. C'est marrant. Et donc dans un jeu, on va essayer. Je vais essayer. C'est quoi les trucs multiplayer du coup? Un multiplayer, genre je fais un duel. Alors je vais essayer de faire un duel. Bon, je suis désolé pour la pour l'Indien. Il se trouve que c'est un Indien. Désolé. Du coup, c'est parce qu'on va avoir le tac. Avatar lobby. Trails. Message got it. Duels. Duels. Il est dans le duel, les players. Le round numéro 1. Bon, je vais perdre, hein, c'est pas. C'est pas grave parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est pas très grave. Parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est ce truc-là. Dans un duel, il balance toutes les solutions dès le départ. C'est rigolo quand même. Vous voyez? Round numéro 1, round numéro 1, round numéro 2, il y a déjà la solution de base. C'est fou ça quand même. Crois, je suis vraiment gland. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que regardez, tac. Si j'essaie de tac, puis duel, poste la solution, send to repeater. Donc là, j'avais la solution de là. Vous avez même pas besoin de bouger. Bah, les duels, c'est quand même super facile de tricher, hein. C'est fou. Hein. Oui, il faut marquer round 3. Tac, regardez, hop. Bah oui, tu peux complètement anticiper, voilà. Là, tu lui mets. Tu peux complètement les anticiper. Et puis plus que tu as en fait, t'as les solutions. Ouais, ça c'est quand même pas ouf hein, de leur part. Hein. Ça c'est vraiment pas terrible quand même. Parce que tu. Ça c'est une erreur de design. Ça c'est clairement une erreur de design. C'est pas terrible ça de leur part.
Bah, après, c'est un truc. Ils sont assez. Comment dire? De ce que j'en comprends. Par contre, ce qui est rigolo, c'est est-ce que. Ils ont un nombre de rondes. Mettons qu'on aille très très loin. C'est combien ils en ont prévu? Oui, pardon. Je suis vraiment anglant. Je sais même pas tricher, vous voyez. C'est quand même fou. Ils en ont prévu combien? 5, 6, 7, 8. Ah ouais, ça va. 10. Et si t'en fais plus que 10, il se passe quoi? Ouais, j'ai fait de la merde. On est au 6. Oh, j'ai fait de la merde. On est au 6. On est au 6. Qu'est pas ça? Et voir. J'ai mal recopié mon truc. Tac. Steam base. Nanana. Effectivement, tous les player ID ils sont comme ça. Il est chaud le mec en face. Parce que ça dure super longtemps alors que je m'attendais. Il est un peu chaud. Je vais réussir à perdre en trichant. C'est fou. Mais comment ça se fait que depuis tant d'années ils gardent pas les solus côté serveur? Mais franchement, je sais pas parce que. Je suis quand même pas le premier à regarder ça. Après, est-ce que tu peux report? Tu peux report quelqu'un pour avoir triché? Est-ce que je peux m'auto-report? Bah, t'as bien joué. On va dire quand même. Mais du coup, est-ce que tu peux même automatiser la demande? Attendez, est-ce que tu peux. Donc ça va être le duel. Donc ça c'est le. Ça c'est le guest du duel. Si j'arrive à. Non. En fait. Ça c'est le guest du duel. Et ça c'est un nouveau duel. Ça, c'est en gros le get duel. Mais en gros, ce que je cherche à faire, c'est est-ce que je pourrais même. Mettons que j'ai un cookie. Je prends juste mon cookie là. Je prends juste mon cookie sans même. Automatiser l'auto-report. Ce serait encore pire parce que tu pourrais report n'importe qui. Et là, c'est encore pire. Mais là, en fait, mon truc, c'est sur le ce que j'étais en train de dire, c'est que par exemple, si je démarre un duel, mon duel, il a commencé où? C'est nana. Join. Regardez, je fais un get. Ce duel-là, là. Ce duel-là. Qui était notre duel de tout à l'heure, on est d'accord. Donc mon duel de tout à l'heure, que j'ai commencé ici. Je vais le mettre ici, regardez. Hop. Je vais le commencer ici. Et en fait, lobby join public. Tac. Et voilà. Attends, me dis pas qu'il a même les solutions là? Non, non, quand même pas. Quand même pas. En fait, on peut tout automatiser. Non, non, mais regardez. En fait, je peux automatiser l'entièreté du truc. Tu peux vraiment faire un bot, en fait. Ça va être la création du duel. Regardez. On va faire un. On va le tenter, hein, quitte à se faire ban, c'est pas bien grave. Hein. Regardez. En fait, là, je fais un join. Je dis OK.
En gros, cette requête-là, cette requête post, elle est en train de dire, je vais dans le lobby. Je suis pas sous proxy. Non, mais en vrai, j'ai pas de proxy, mais si je me fais ban, je me fais ban. De toute façon, je suis authentifié avec mon compte et on est un petit peu en direct. Donc, s'ils veulent ban mon compte, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas très grave. Ah, merde. Alors, en gros, le chat a pas coupé là? Oh. J'ai l'impression que ça s'est déconnecté. Mais en gros, je peux tout à fait faire un... ça. Ça crée un duel. Donc j'ai même pas besoin d'ouvrir le truc. Je fais un get. Ça va me donner le truc. Et pour le premier, je pense qu'il me manque des choses. Je pense qu'il me manque des choses. Je peux même deviner là le premier. Donc je suis sur le round 1. Tac, tac. Merde, oui, parce que je suis là et que je l'ai mal fait, vous voyez. Tac, voilà. Et là, vous voyez, en fait, je suis en train de faire un... Là, je suis probablement en train de faire un duel. En fait, là, je suis en train de faire un duel. J'ai répondu, mais il me manque des trucs. Il me manque des trucs, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai pas tout regardé, mais en gros... En gros, il y a le trails. Le trails, c'est quand c'est moi qui gagne, c'est ça? Content 35. C'est quand tu sais si c'est toi qui gagne ou pas. Et en fait, si tu fais ça aussi, donc le trails, il te permet de savoir où tu en es en fait. Est-ce que... Tac, tac, tac. Regardez. Voilà. Sur celui-ci, donc sur celui-ci, je suis en duel. Est-ce que c'est moi qui ai gagné? C'est moi qui ai gagné. Sur le 2, got it. Ah non, non, alors ça c'est autre chose. Ok. Et est-ce que je peux répondre par exemple à un duel qui n'a pas encore eu lieu? Donc par exemple, je prends n'importe quoi, je prends le duel du round 6, c'est sûr qu'il n'a pas eu lieu. Tac, je fais ça. Round 1 is game. Oui. Mais si je réponds au round de 6, not started. Zero left. Ok. Donc il a quand même un check. Il y a quand même un check de savoir dans quel round on est. Et la question, elle est de se dire comment le pin dans le duel. Attends. Parce que moi, j'ai fait juste le guess, mais il y a un pin. Ah, on en a oublié un. Et à quoi il sert juste le pin? Le pin, il a lieu à chaque fois. Il a lieu à chaque fois que j'ai vraiment répondu, je pense. Ouais. Ah, mais c'est dans les sockets, je pense. C'est côté socket que tu sais si ton round est terminé, non? Subscribe, chat, friends. Oh, c'est marrant, mais. Et je pense que tu peux. Bon, on va arrêter là, mais en gros, je pense qu'il est. Enfin, c'est même quasi sûr. Tu dois pouvoir automatiser sans trop de problèmes. Mais si, en fait, c'est sûr. Mais oui, c'est bon. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, plus que en gros, je crois que c'est 15 secondes, il me semble.
Tu as 15 secondes. Une fois que tu as répondu, tu laisses à l'autre 15 secondes dans un duel. En gros, c'est le principe du duel, c'est il y en a deux qui jouent. T'en as deux qui jouent. Ouais, en fait, on peut le coder sans aucun souci. En gros, c'est assez simple. C'est-à-dire que tu vas utiliser cette requête-là qui va dire, ok, je veux faire un nouveau duel. Ça, pas de souci. Tu fais ton. Lui, il te dit, ok, voici l'ID de ton duel. Pas de problème. Dedans, il y a le joueur Baptiste. Et en fait, il ne va te répondre que quand il t'a trouvé un joueur. Et de l'autre côté, tu as un mec qui s'appelle Nathan Zanzar. Ok, très bien, pas de problème. Il va débuter le duel. Et donc, l'application web va faire un appel pour dire, ok, bah donne-moi les détails de ce duel en question. Les détails du duel qui a cet ID-là. Et en gros, et c'est là où est le problème, c'est que quand on fait un get duel avec l'ID de notre duel, il donne toutes les réponses. Il donne toutes les réponses. Et donc, assez facilement, on récupère aussi, en fait, la requête qui permet de poster la réponse, en fait, la réponse du duel. Et comme on sera toujours le premier, en fait, à poster notre réponse, si on est un peu malin. Alors on peut randomiser la manière de répondre, mais grosso modo, on sera toujours plus ou moins le premier. On va laisser 15 secondes à l'autre. Donc on poste notre requête, on attend les 15 secondes, il a perdu. On attend 2-3 secondes, et ça se mesure, mais c'est pas très compliqué. On attend 2-3 secondes pour passer au truc d'après. Et on poste la solution du deuxième. Et comme on sera toujours le premier, on va pouvoir gagner pendant très longtemps. Et tu fais un bot qui n'a même pas besoin, en fait, t'as même pas besoin d'ouvrir le navigateur. À aucun moment, il n'y a pas de scraping, de machin, de quoi que ce soit. Tu peux faire un bot qui toute la journée fait des duels et va gagner en permanence. Sans aucun souci. Après, je connais pas assez bien le. Je crois que c'est limité. T'as pas 12 000 parties, si je comprends bien, je crois. Alors, une movie nana, you have the freedom. Mais si tu veux être. Alors je connais pas assez bien, je pense qu'il y en a qui dans le chat connaissent mieux que moi. Mais en gros. Eh ben, petit bonnet, c'est la vraie question. C'est un vrai problème de design. Et je vois pas pourquoi il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de nécessité à envoyer la réponse. C'est complètement idiot. Je pense que c'est parce que en fait, l'application web est mal faite. Et grosso modo, pour vraiment bien réexpliquer ce qu'on a fait là, je sais pas quelle heure il est, mais en gros, pour bien réexpliquer ce qu'on a fait là, c'est que si vous voulez, vous avez une application web, donc qui est là dans notre navigateur, qui va requêter, qui va faire des requêtes HTTP, peut-être pour calculer les points sur l'UI, vu qu'elle est autonome. Bah, Sonyz, même pas, parce que les points sur l'UI, tu l'as dans le leaderboard, en fait. Si tu regardes dans le leaderboard, tu les as ici. Donc, faut bien le donner le point pour que tu affiches la map au bon endroit. Oui, mais tu peux faire un get, je dis n'importe. Enfin, en fait, c'est dans le design côté back-end. Côté, en fait, en gros, pour réexpliquer à toutes les personnes qui sont connectées. En gros, vous avez une application web. Mais ça, c'est vraiment classique pour tout le monde. Vous avez une application web qui va discuter avec un back-end. Vous, dans votre navigateur, vous faites des appels aux pages de l'application web en disant, voilà, donne-moi la page du leaderboard. Et donc, vous allez faire un appel HTTP pour dire, ok, donne-moi la page. Donc, vous allez demander au back-end cette page-là.
Et en gros, là dans le jeu, et c'est là où est la problématique, c'est que quand vous démarrez votre partie, il dit, oh, vous lui demandez, ok, donne-moi les détails de la partie. Et là, il va vous donner les participants, il va vous donner peut-être le score de chacun, peut-être les réponses précédentes des autres, mais il vous donne aussi les réponses qui arrivent. Et ça, c'est un problème de design parce qu'il ne devrait pas. Alors, mais dans tous les cas, tu as besoin de l'avoir à chaque début de round. Eh ben non, toujours pas, Alex. Je pense pas, Alex, que tu as besoin de l'avoir à chaque début de round. Plus qu'il y a un temps. En gros, là, pour la partie qu'on a fait, il y a 1 minute 30. On a 1 minute 30. Dans la minute 30, au bout de 1 minute 30, tu peux très bien imaginer que ton application web, elle va faire un call. Ton front, il va faire un call, en fait, au back en disant, OK, mon round 3 est fini. Get solution round 2-3. Il te l'affiche et après, il calcule le. Ou même, tu n'as même pas besoin d'avoir la solution en tant que telle. Tu dis round 3 summary. Non seulement il va te donner le score de chacun parce qu'il l'aura calculé côté back-end, et ensuite, il te donne la solution pour que tu puisses l'afficher. Oui, c'est petit bonnet, c'est exactement ça. Tu peux avoir là, c'est ça la problématique. Ils ont peut-être essayé de faire un mode hors ligne. En fait, je pense que la problématique, elle est vraiment côté back. Pour quand même passer mon temps, c'est moi, de base, je suis côté. J'avoue que côté. Je suis vraiment pas un fronteux, donc je fais vraiment très peu de front-end. Et les 4 fois où j'en ai fait dans ma vie, ça a été une catastrophe. Mais en gros, si vous voulez, pour reprendre un peu les choses, regardez. Je vais vous montrer, et je pense qu'elle est là l'erreur de conception. On va réenlever le next, parce que c'était bien, qu'on y voyait plus clair. Voilà. En gros, dans la première partie qu'on a faite, si on se refait, et c'est tout l'intérêt en fait de ce burp, de cet outil-là, parce que vous avez un historique de tout ce que vous avez fait, et donc vous pouvez assez facilement rejouer un petit peu le match. Et en gros, si. Regardez, leaderboard, position 2. Donc ça, c'est le challenge qu'on a fait ensemble. Get, tac, tac. Nanana, join, advance. Alors, il va falloir que je me retrouve, sinon c'est pas drôle. Parti. Passer de lobby. Regardez. Ça, c'est la partie qu'on a commencé tous ensemble. Non, c'est. En fait, le fait que les points soient envoyés, ça, à la rigueur, je m'en fiche. C'est pas le problème. Mais en gros, regardez, on a fait une partie ensemble. Regardez, on va prendre ce. Voilà, c'est cette partie-là. Regardez. Voilà. En gros, on a fait une partie ensemble. On a fait une partie ensemble et l'application va dire, OK, pour cette partie, donne-moi les détails de cette partie-là. Et là, il fait un truc assez simple, c'est qu'il dit, OK, bah, dans ta partie, tu vas avoir donc tous ces players-là. Donc, il y a un champ player ID qui est un tableau avec les ID de chaque player qui sont à l'intérieur. OK, pourquoi pas. Il y a un champ avec le détail de chaque player. Ça, OK, très bien. Il n'y a pas de souci, tu as le détail de chaque partie et tu as toutes les informations. Et ça, c'est en soi, c'est parfait. Ça, c'est vraiment la description qu'il faut. Par contre, et c'est là où je dis que c'est pas bon, quand tu fais donc le post, c'est le même. Le post, c'est le même objet, ça, il n'y a pas de souci. C'est celui, est-ce que je vais le trouver? C'est quand tu fais ton get de live challenge qui va te donner toutes les solutions. Donc dès le départ, non. Alors le live challenge c'est un peu différent encore, mais pourquoi pas. Là, en fait, il y a deux problèmes, mais oui, c'est ça.
En fait, il y a deux problèmes. Il y a les lives, ce qu'ils appellent eux live challenge, qui est la partie qu'on a faite ensemble. La partie qu'on a faite ensemble, en fait, il y a un design flow, entre guillemets, qui est que quand on fait un get du live challenge, on obtient la réponse. On obtient la réponse du tour en question. Et quand on fait un duel, là c'est encore pire, c'est quand on fait le get du duel, on obtient la réponse, on obtient toutes les réponses. Turbo Léon, yes, c'est tout à fait Saber-Cheat. On obtient les réponses de tout le duel. Et en gros, ce que je voulais vous montrer ici, c'était surtout ça, c'était qu'en gros, quand vous faites un. Alors là, c'est quand j'ai fait joujou. Mais en gros, quand on fait un guess, on a. Regardez. On a les objets qui viennent. Regardez comment l'objet est formé, en fait. On a l'objet. On a le. On a en fait un gros objet JSON. On a un gros objet JSON. Et dans cet objet JSON, on a un champ qui s'appelle rounds, qui est un tableau d'objet JSON, et dans cet objet JSON là, à chaque round, il vient rajouter en fait la solution et le détail du round. Donc il encapsule un objet dans un objet. Mais la réponse, c'est nécessaire à positionner les joueurs au début du round. C'est le principe du jeu, non? Pour les duels, effectivement, 10 rounds d'un coup, mais bon, vu le souci de dizaine précédent, c'est une belle optique réseau. C'est même pas une optimisation réseau. Parce que, en fait, t'as pas besoin au début. Ça, c'est vraiment le call qui est fait au début du round. T'as pas besoin des solutions au début du round. C'est ça le truc. C'est que, alors, il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être, et ça, c'est un très bon point, un besoin d'optimisation réseau qui se prenait trop de charges dans la tête. Et du coup, ils ont fait le choix de tout mettre au début en se disant, bon, bah, s'il y a des tricheurs, il y a des tricheurs. C'est bizarre. C'est curieux comme affaire parce que tu t'exposes, du coup, tu augmentes vachement ta surface d'attaque juste parce que tu as eu envie d'économiser un call, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, que ce soit pour la partie ou pour le duel, tu peux complètement tout optimiser, même sans UI, quoi. Ce qui est encore pire, c'est que c'est vraiment pas compliqué, tu peux le faire qu'à base de requêtes. Bah pour l'expérience, on s'amusera. Pour l'expérience, on s'amusera un petit peu à regarder. Ça peut être marrant. Ouais, y a rien. Ok. Et eh bien, je pense que je vais arrêter là. C'était rigolo. C'était pas du tout prévu. Mais ce que je vous propose. Ce que je vous propose. Je vais tester un truc quand même. Je vais tester un truc et puis pour l'expérience, pour l'expérience, je vous montrerai le résultat. J'ai pas envie de vous montrer le code, pour être très honnête. Je connais Internet. J'ai pas envie de mettre ce type de code sur Internet parce que ça n'a aucun intérêt et que en plus tout le monde l'utiliserait pour tricher. Donc et c'est un jeu qui est cool en plus, donc il faut pas. Encore une fois, je le dis, je le redis, ne codez pas ça pour tricher ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment plus un travail intellectuel et pour s'amuser. C'est pas du tout dans une optique de tricher. Ça sert absolument à rien de tricher sur des jeux comme ça. Et puis, de toute façon, vous vous ferez prendre. Donc, vraiment, c'est contre les termes et conditions de ce truc-là. Ça peut être sympa d'engager. Je pense que je vais faire un petit POC. Et l'idée, c'est peut-être de contacter GeoGuessr. Je tâcherai de contacter GeoGuessr pour leur montrer. Ça peut être rigolo. On peut en rentrer en conversation avec eux. Ça peut être pour l'expérience. Ça peut être marrant. Bah, c'est ça, c'est tricher sur les jeux. Puis surtout sur un jeu de géographie. C'est vrai que t'as rien à foutre. Enfin, c'est vrai que t'as rien à foutre comme moi. Mais en gros, si tu le fais sérieusement, franchement, t'as vraiment rien à foutre, quoi. Donc, là, c'est un petit poc à la con. Et puis, l'idée, c'est de le transmettre à l'équipe de GeoGuessr. Et puis, voilà. Mais bon, il n'y a rien de secret parce que le truc est là depuis,
depuis très longtemps. Est-ce qu'ils peuvent le corriger en quelques heures? Je sais pas, parce que comme c'est un truc, ça peut être un peu chiant quand même, hein. Mais oui, ils peuvent le corriger. J'ai pas trop de doute là-dessus. Tout est corrigeable, donc c'est pas trop un souci. Mais on testera un POC et en plus, il me semble que qu'en version gratuite, tu es limité en nombre de parties par jour, donc il faut payer pour faire ce bot. C'est pas faux. Moi j'ai un compte payant, je sais plus pourquoi, mais je crois que j'avais payé, fut un jour. Et j'ai jamais dû enlever ma carte. Mais il y a moyen. En fait, ils ont rendu le truc payant il n'y a pas longtemps, je crois, si j'ai bien suivi. Il y a quelques semaines, ou alors ils ont annoncé il y a quelques semaines que ça allait devenir payant, un truc de ce style. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et Bursuite, tu l'as en CE ou en pro? Alors Bursuite, c'est peut-être un des seuls logiciels que j'achète depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années que j'achète Bursuite en pro. C'est un petit ticket. Mais franchement, Burp, c'est... Voilà, si tu veux faire ce métier un petit peu, c'est très très bien. Il y a d'autres choses, il y a d'autres alternatives. Il y a Zap, il y en a plein en fait. T'en as des particuliers. T'en as des particuliers sur macOS aussi qui font un peu le boulot. Mais Burp est vraiment pas mal. Ils ont une très très grosse équipe derrière. Et puis ça fonctionne. C'est un peu beaucoup la référence. Donc c'est vraiment très très utile. Et pour ce que je fais depuis quelques années, voilà, c'est un peu l'outil que tu utilises. Pas tous les jours dans mon cas, mais quand même très 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 souvent. Et c'est toujours pareil. Tout ce qui est bien fait, et quand on travaille dans ces métiers-là, c'est aussi important de le dire. Alors c'est rigolo de craquer des applications, des machins. J'ai eu fait ça très longtemps et c'est tout un art et il y a tout un historique sur le cracking de logiciels, etc. Et c'est super cool à faire, c'est super cool. Juste à être consommateur notamment, c'est dangereux. Mais en plus, il y a beaucoup beaucoup de travail derrière tout ça. Donc c'est cher, mais ça vaut le prix. Et quand vous faites du bug bounty ou des trucs comme ça, franchement, c'est rentabilisé extrêmement vite. Donc ça vaut le coup, ouais. Ça vaut carrément le coup. Et bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été encore présent, c'est super cool. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires sur Twitter, LinkedIn ou d'autres. N'hésitez pas à suivre aussi, à vous abonner à la chaîne Twitch. Je sais qu'il y en a un petit peu qui s'abonnent à chaque fois, donc l'idée c'est aussi de vous soyez de plus en plus présents sur cette chaîne-là. On se retrouve tous les lundis et jeudis, de 18h à 20h. Franchement, pour l'instant, je suis pas trop mauvais, faut dire ce qui est. Je suis pas trop mauvais, faut dire ce qui est. J'ai réussi à tenir le rythme. Vraiment, on essaye de tenir le rythme. Pour la petite histoire, quand j'ai besoin de faire ce que tu fais, j'utilise F12 et curl. Et ben c'est très bien aussi. Et on pourra, si vous voulez, en rediscuter dans un autre. On pourra en rediscuter dans un autre live. Mais savoir utiliser les outils développeurs de Chrome ou de Firefox ou autre. Franchement, tu fais plein plein de trucs déjà, ne serait-ce qu'avec Chrome et les outils développeurs. Et Burp Suite, c'est genre le bazooka, effectivement. Mais à portée de main, vous avez déjà beaucoup beaucoup d'outils qui vous permettent de faire plein de trucs. Et typiquement, ce qu'on a fait là ce soir avec Burp, bah en fait, tu fais pareil. C'est un peu moins pratique. Voilà, mais tu le fais aussi avec juste ton Chrome standard et un F12. C'est vraiment sans aucun. C'est pas un problème. On peut modifier avec les requêtes avec le tool de Chrome. Non, ça par contre, je crois pas de mémoire. Je bosse sur une extension Chrome pour le moment, pour le fun et l'apprentissage. Bah, c'est une très bonne idée. Bah, n'hésite pas à partager ton projet ou quoi quand il sera prêt. On pourra le tester avec grand plaisir, Ben.
Il y a des plugins REST pour faire des favoris aussi et tout. Ouais, il y a plein de. Sur Burp, en fait, vous avez. Alors là, je partage plus, mais en gros, sur Burp, on pourra faire un tour un peu du propriétaire, mais en gros, sur Burp, vous avez tout un système d'extensions, de plugins qui vous permettent justement de faire des actions ou de demander des choses particulières en fonction des requêtes qui passent, si c'est du GraphQL, si vous avez des tokens JWT dedans, ce genre de choses. Alors attention, curl, attention, c'est important. Curl, c'est pas. Tornade, alors c'est pas contre toi hein, ce que je veux dire du tout. Soyez précis, et ça c'est un truc que je vois beaucoup en entretien. Là avec Predicta, on recrute depuis un petit moment et on a vu beaucoup de monde. On a reçu beaucoup, beaucoup de CV. On est encore, d'ailleurs, si vous voulez postuler, n'hésitez pas. Envoyez votre CV à contact@predictala.com. On recherche un développeur back-end Python. Et on a reçu beaucoup de CV. On a fait beaucoup d'entretiens. Vraiment, on a passé du temps. On a un process de recrutement qui est ultra light. Et une des problématiques qui revient souvent, et qui est assez bien illustré par ce que tu dis, Tornade, c'est que il y a une mauvaise compréhension des concepts de base. Votre navigateur, et il y a une question par exemple que je pose en entretien, ce qui arrive souvent dans l'entre, on a deux, nous on a deux entretiens, il y a l'entretien plus pour se connaître et l'entretien technique, ça dure une demi-heure chacun, donc c'est vraiment court, mais ça permet de se faire une idée largement. Sur l'entretien technique, on regarde juste du code et moi je dis juste vas-y, montre-moi un code que tu peux me montrer déjà, que tu as le droit de me montrer, et puis présente-moi le code et puis je pose des questions. Et souvent on finit par parler de requêtes HTTP, de status code, ça arrive très souvent. Et en fait, je pose la question, mais c'est quoi HTTP? C'est une question bête, vous avez l'habitude de taper HTTP. C'est quoi la différence entre HTTP et HTTPS? C'est quoi un cookie? En fait, c'est des choses que vous utilisez tous les jours, des concepts qui sont très basiques, mais de dire, en fait, est-ce que vous êtes déjà posé la question de là, ce que vous êtes en train d'utiliser? En fait, c'est du coup, c'est quoi un protocole? Non, non, mais oui, il n'y a pas de souci, y a pas de souci, hein, Tornade. Mais c'est pour illustrer le propos, parce que c'est quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que curl, ça va être un utilitaire. Et en fait, votre requête HTTP, effectivement, de quoi elle est composée? Elle a des paramètres, elle a un body. C'est à quoi va servir le cookie? Pourquoi on a créé un cookie dans HTTP? C'est des questions qui, à chaque fois, il faut aller. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, avec. Et c'est ce que dit Tornade dans le chat. En fait, avec les outils développeurs de Chrome, vous allez pouvoir voir passer les requêtes HTTP. Et ces requêtes HTTP-là, vous pouvez cliquer sur une des requêtes et obtenir en fait la ligne de commande correspondante pour curl. Et à quoi ça sert curl? En fait, curl, ça sert à faire des requêtes HTTP à travers votre navigateur. Et effectivement, c'est un des petits raccourcis sympas de Chrome, c'est que ça vous permet de rejouer la requête, puisque vous pouvez faire clic droit, je sais plus comment s'appelle le truc, copie commande curl ou je sais pas quoi. Vous mettez dans votre terminal et ça fait le boulot. Et effectivement, c'est important, je comprends ce que tu voulais dire. C'est vraiment important si vous postulez à des boulots pour faire du dev ou autre. Aujourd'hui, et je vais faire mon vieux con, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus. Alors, pour postuler, c'est assez simple, il faut juste envoyer. À contact.
Mictalab.com. Envoyez un CV et puis voilà. C'est étonnant de ne pas pouvoir répondre à une question comme qu'est-ce que le protocole HTTP? C'est pas une question commune. Ben, en fait, je sais pas si c'est une question commune, pour être très honnête, Ace. Aucune idée. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que plus ça va, plus les gens qui sortent de l'école ou des bootcamps ou de ce que vous voulez, ils apprennent des frameworks. Ils apprennent des langages. Mais ils apprennent pas l'algorithme. Et donc, il y a les générations précédentes, et encore plus loin que la mienne, hein, ceux qui sont même avant moi et encore avant moi, en fait, c'était des gens qui faisaient l'algorithmie. Moi, j'ai appris à faire l'algorithmie en école. Et en fait, le premier bouquin d'infos que j'ai eu, j'avais pas d'ordi. Et en fait, ils apprennent un framework. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'en termes de réflexion, faire du dev, c'est pas je fais du JavaScript ou je fais du Python, c'est je fais de l'algorithmie et je transmets mon algorithme, je traduis mon algorithme, j'implémente mon algorithme dans un langage particulier, qui a ses particularités, qui a machin, qui a blabla, mais c'est un autre sujet. Et en fait, là, on commence par la fin. Parce que ça évite de réfléchir. Parce que le langage fait beaucoup de choses maintenant. Et c'est très très souvent des langages très haut niveau. Plus ça va, et plus en fait l'informatique a rajouté des couches d'abstraction. Et en fait on s'éloigne de plus en plus de la machine. Et en réalité, vous pouvez poser la question autour de vous, si vous avez des gens qui font du développement, vous avez très très peu de gens qui savent comment fonctionne en fait la machine. Vous avez très peu de gens qui savent en réalité comment ça fonctionne la mémoire dans un ordinateur. Qu'est-ce que c'est un pointeur? C'est des choses bêtes, des petits concepts de base qui sont bêtes mais qui sont importants de comprendre. Et même aujourd'hui sur les IDE, et je le vois, des choses bêtes, et encore, franchement, je suis vraiment très loin d'être un bon développeur. Hein. Mais même sur les IDE, ils savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser les IDE qu'on leur met à disposition. Un PyCharm, par exemple, pour du Python, plein de gens qui savent pas utiliser PyCharm. Plein de choses que tu peux faire. Un Android Studio, il y a plein de gens qui savent pas utiliser Android Studio. Et ils sont perdus très vite quand ils sortent de leur chemin. Donc si vraiment je peux vous conseiller quelque chose, c'est à chaque fois que vous arrêtez de consommer, ne consommez pas le langage, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Globalement même, et ça c'est très subjectif, mais arrêtez tout court de consommer ce qui vous vient, essayez de comprendre dans la vie, essayez de comprendre ce que vous avez en face de vous. Et ensuite, vous allez pouvoir être actif. Et en fait, c'est dans l'informatique, ça arrive très très souvent. C'est que aujourd'hui, la plupart des gens n'essaient pas de comprendre. Ils consomment l'IDE, ils consomment le langage. Et dès qu'ils sortent un petit peu du truc, ils ne comprennent pas. Et les meilleurs, on a quand même des gens qui sont pas mauvais chez Predicta, et tant mieux. Les meilleurs qu'on a eus et qu'on a chez Predicta, c'est des gens qui essaient de comprendre. À qui on pose un problème et qui derrière vont chercher, quitte à tourner le truc dans tous les sens, quitte à ils vont essayer de mutualiser du code, ils vont aller dans la documentation, ils vont creuser dans la doc, ils vont voir ce qui est faisable, ce qui a été fait, et ils vont se poser des questions. Et vraiment, posez-vous des questions, et dès que vous avez un truc que vous comprenez pas, cherchez. Ça prend du temps, c'est pénible. C'est plein de choses, mais une fois que vous savez, vous savez. Donc c'est vraiment, je fais un peu mon laïus et mon vieux con, mais c'est vraiment important. Si vous vraiment vous cherchez et que vous êtes passionné par l'informatique, et c'est passionnant, faites de l'algorithmie. Si vous êtes un bon développeur, faites de l'algorithmie, regardez, écrivez, faites du pseudocode. Faites du pseudocode. Intéressez-vous aux structures. Et ensuite, aller voir les langages. Apprendre juste des frameworks, je pensais que c'était un truc de bootcamp. J'ai fait 42 et tu pars du C et tu vois que des frameworks.
qu'à la toute fin du cursus. Bah, c'est pas mal. Je suis d'accord avec vous, mais des fois j'ai l'impression de me perdre dans trop de connaissances car derrière une autre techno, il y a une autre techno à apprendre. Souvent j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est la beauté. En fait, si. En gros, c'est un peu la beauté de ce domaine-là. C'est que tu pourras jamais être spécialiste de tout. Tu seras jamais spécialiste de tout. Tu seras jamais le grand pont de. Tu vas jamais tout maîtriser. Et ce qui est vrai dans le développement informatique, et vrai encore plus en cybersécurité, c'est que c'est tellement vaste que tu ne peux pas tout comprendre et tu ne peux pas tout maîtriser, et encore moins tu ne peux pas tout maîtriser à la perfection. Mais l'idée, c'est de te faire un périmètre, c'est de te faire un périmètre dans lequel tu t'es à l'aise, et dans lequel tu peux naviguer, et dans lequel tu comprends ce que tu fais. Et ensuite, ton périmètre, tu vas l'étendre petit à petit. Mais c'est qu'il y a une cohérence en fait dans la manière dont tu apprends les choses et tu maîtrises en fait ce que tu fais. Non, mais tu peux bien t'amuser en apprenant. Mais c'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai habitude de dire que je sais absolument pas ce que je fais depuis très longtemps, mais je m'amuse bien. Donc et je sais pas où je vais. Donc c'est exactement ça et on apprend et c'est même ce que je souhaite à mes enfants, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent des choses. Après le reste, que tu sois un cador ou pas, on s'en fiche vraiment. Le tout, c'est de s'amuser, d'apprendre des trucs et de découvrir des choses. Je débarque et je sais pas, la question a déjà été posée. Est-ce normal que mon antivirus bloque maintenant la page d'OrgGPT? Eh ben, c'est une très bonne question, ça. Non, c'est pas normal parce que d'OrgGPT est absolument pas un virus. C'est quoi ton antivirus? Ok, je savais pas que. Donc ils ont mis DorgGPT en. Ok, bah quelqu'un a flagué DorgGPT. C'est ok. En vrai, Avast. En vrai, c'est pas très grave. DorgGPT, c'est un petit projet qu'on a fait sur le côté. S'ils l'ont flagué, ils l'ont flagué. Tu as des références de bons livres d'algo ou qui parlent de hardware? Je vais te dire une bêtise, je sais pas. J'en avais un. Je vais dire une bêtise, donc je vais rien dire. Mais je crois que j'en avais un dans ma bibliothèque qui était pas mal. Mais vraiment, après. Ça doit se trouver sur Internet, faut chercher, mais ça doit pas être si dur. Même si c'est pas tout à fait le sujet, je dirais Understanding the Linux Kernel. Ça me semble pas mal, ça. Ça me semble très très bien. Il faudrait déjà savoir ce que c'est un noyau. Mais oui. Et ça me rappelle des souvenirs. J'ai commencé là-dedans. Ouais, mais c'est assez essentiel et moi j'ai vraiment eu la chance et franchement la vie est ce qu'elle est. J'ai commencé en fait chez Intel et j'ai commencé dans l'équipe audio chez Intel. Je faisais des applications Android métier et en fait l'équipe audio chez Intel travaillait sur les références phone, sur les téléphones de référence qui étaient ensuite vendus à d'autres constructeurs pour faire leur propre téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'audio, c'est ultra compliqué. Vraiment, quand tu commences à toucher à l'audio sur un téléphone, c'est difficile. Et il faut des connaissances autant en fait software, où tu vas traiter vraiment de la donnée qui est vraiment pénible à traiter, jusqu'à du hardware, parce que tu as vraiment une composante hardware. Et je me suis retrouvé. Ah, attends, ça me rappelle des souvenirs. Attends. Hop là, pardon. En fait, à l'époque, je travaillais sur un truc qui s'appelait Tani Alza. C'est ça. En stage, j'ai bossé là-dessus. En fait, j'ai bossé là-dessus en stage, qui est une librairie donc qui était maintenue par Google. Alors là, je vois que c'est pas le cas. Et en gros,
En gros, attends. C'est vraiment de l'archéologie hein, pour moi. Si tu tapes Robert, normalement j'ai une contribution. Pull request. Yeah. Pourquoi? Attends. Voilà, Baptiste X. Ça c'est vraiment. Et donc j'ai une contribution. J'étais très 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 fier de moi. Une contribution dans cette librairie audio en fait. Et ça c'était vraiment. J'étais stagiaire. Hein, 6 mai 2014. J'étais stagiaire chez Intel et j'étais assez fier de moi parce que c'était vraiment une contribution dans une librairie. Dans une librairie de audio qui est côté kernel, donc c'était assez cool. Alors, pour voir les bases, ça date, mais ce qu'on apprend s'adapte avec facilement ce qu'on fait aujourd'hui. De toute façon, les bases de structure et de données algorithmiques, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de. Si ça n'a pas de date de péremption, hein, vraiment, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Eh bien, cette fois-ci, c'est pour de bon. En tout cas, c'est une discussion intéressante. Et je pense qu'il une discussion intéressante et qui vous intéresse. Il y a plein de choses à dire. Et moi, j'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup ces sujets-là parce que c'est un métier qui est chouette. Oui et non. À l'époque, tes arbres, tu les programmais à la main. Maintenant, il te faut choisir. Ouais, mais c'est là où Tréguy, c'est pas mal d'implémenter son arbre à la main. Au moins une fois, pour comprendre. Au moins une fois. Tu t'implémentes ton arbre à la main au moins une fois, tu te casses la tête, tu essaies de réfléchir, et c'est surtout le raisonnement, ton implémentation, en fait, à la fin, tu t'en fiches. Mais c'est au moins de t'être posé la question. Et d'avoir essayé de poser sur papier ton truc. J'aime bien. Ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus, plein de choses à dire, c'est chouette. Bon allez, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, c'était très cool. Très cool d'avoir ces interactions-là, et bah, je vous souhaite une bonne soirée, on se dit à jeudi 18h, même endroit, même énergie, et prenez soin de vous, passez une bonne soirée, à bientôt.